Roger de la Fresnaye est un artiste qui a vécu au début du XXe siècle et qui s'est trouvé à un moment donné tenté par l'avant-garde cubiste dans les années 1910-1912. L'exposition revient sur l'ensemble de sa carrière, pas seulement la période cubiste, mais l'ensemble de sa carrière, donc entre 1905 et 1925, date à laquelle il décède des suites des blessures de la Première Guerre mondiale. Tout le parcours est, pour ainsi dire, chronologique autour de la carrière de la Fresnaye, mais elle s'intéresse également au cubisme des salons, c'est-à-dire en fait à des cubistes qui sont peut-être moins célèbres aujourd'hui que Picasso ou Braque, mais qui ont fait connaître au grand public ce mouvement d'avant-garde.